Bonjour, petite fée. Petite fée, tu vas voir à qui tu as affaire. Je ne suis pas si faible que tu le crois. Ah bon? La petite fée veut jouer les malignes. Jouer les malignes? Tu te trompes. Je vais juste te battre, une bonne fois pour toutes. Me battre? Oh. Oui, te battre. Et tu ne verras pas. Comment? Parce que tu ne comprendras rien à ta vie pendant ce moment-là. Ah, qu'est-ce que c'est drôle, j'ai vraiment très très peur. Alors prépare-toi à la guerre. Ah, oh, ma tête. Ah, oh, j'ai vraiment mal. Ah, oh, c'est bien toi? Tu es bien Leïla? Rayon de fluide! Tu crois que ça va m'arrêter? Tu crois vraiment que ça va m'arrêter? Sort noir. Puissance maximum. Yeah. Ah. Tu ne me vaincras jamais comme ça. Flora, tu es réveillée? Oui. Contente de te revoir. Tu te souviens encore mon prénom? Bien sûr que oui, comment je pourrais t'oublier? Je n'arrive toujours pas à avoir des pouvoirs. Je suis tellement faible, tellement nulle. Ne dis pas ça, Flora. Au fond de ton cœur, tu es très forte. Je te le promets. Et crois-moi. Et elle est nulle. Car elle, c'est une lâche. Elle attaque des personnes qui n'ont pas encore de pouvoir. Tu vas voir. Tu vas voir. Que nous, les fées, on est plus puissantes que vous, les lâches sorcières. Tu vas très vite le comprendre. Où vas-tu, Leïla? Ne t'inquiète pas, Flora, je reviens. D'accord. Elle va comprendre ce que c'est de la lâcheté. Ta petite amie t'a lâchée. Ne dis pas ça, elle va revenir, je le sais. Je n'y crois pas. Si, elle reviendra. J'ai confiance en elle. Waouh. Bon, à mon tour. Rayon de fluide, puissance maximale! Yeah! Oh! Ah! Oh. Leïla! Je ne t'avais dit, je ne te laisserai jamais tomber, Flora. Viens, on y va. Tu es prête? Oui. Wow! C'est vraiment magnifique, magnifique la vue d'ici. Oui. Attention. Voilà, ça va? Merci beaucoup, Leïla. De rien, c'est normal. Mais pourquoi tout le monde a ses pouvoirs magiques et moi je ne les ai pas? Ne t'inquiète pas, ça va arriver. Tu les auras un jour, tes pouvoirs. C'est moi qui te le dis. Tu peux avoir confiance en moi, non? Oui, merci beaucoup de m'avoir sauvé tout à l'heure.
Tu n'y étais pas du tout obligée. Mais en faisant ma quête au Tainix, je pense que je vais l'arrêter. C'est la meilleure chose à faire. Oh. Je suis tellement nulle et inutile. Ne dis jamais ça, Flora. Seuls les lâches et les vrais nuls disent ça. Ah bon? Tu le crois sincèrement? Oui. Très sincèrement. Bon, allez, il est l'heure pour moi de me détransformer. Je n'ai plus besoin de se transformer si longtemps que ça. On a fini la bataille. Yeah! Ah, je me sens un peu mieux comme ça quand même. C'est bien d'être une fée, mais au bout d'un moment, il faut savoir rester une fille normale. Waouh, tu es magnifique! Je t'avais jamais vue dans cette tenue. C'est normal, c'est mon père qui me l'a achetée. Mais bon. C'est vraiment... Tu es vraiment très belle. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas d'autres tenues que celle-ci et quelques-unes d'autres, mais je n'y mets pas souvent. Celle-ci, ma préférée, je l'ai eue quand j'avais... Je l'ai eue l'année dernière, je crois. Mais je tiens tellement à cette tenue. Tu ne peux pas savoir à quel point. C'est mon grand-père qui me l'avait offert. Alors, toutes nos tenues ont des histoires. À voir, oui. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de ça. Tu as raison, il y a des choses beaucoup plus importantes. On partage le même point de vue. Comme Valtor, il faut qu'on le batte pour retrouver la paix dans cette dimension. Tu as raison, c'est le seul moyen. Alors maintenant, il faut unir nos forces. Et ton pouvoir Tainix, tu l'obtiendras. Je te le promets. Merci beaucoup, Layla. Layla. Coucou, Stella. Je voulais te dire quelque chose. Comme quoi, en fait, je me suis... J'ai réfléchi, en fait. Et je pense que... Il faudrait que je désobéisse à la loi de mes parents et que j'attaque avec vous les sorciers, tout ça. C'est comme tu veux, on ne t'oblige pas à combattre si tu ne veux pas. Flora ne combat pas, elle. Oh là là, je ne peux pas combattre, je n'ai même pas de pouvoir. Je sais, je ne disais pas ça pour te blesser, ne t'inquiète pas. Moi, je dis ça parce que j'ai été vraiment... Je n'ai pas été intelligente. Au moins, tu reconnais tes erreurs. Oui, mais bon, c'est une preuve d'intelligence. Merci. Mais je voulais juste te dire que je ne préférais pas attaquer parce que, voilà, je ne sais pas trop me servir de mes pouvoirs techniques et j'aimerais bien savoir m'en servir avant d'attaquer plutôt que de faire des bêtises car ils sont très forts. Oui, ça se voit qu'ils sont très forts. Je dis rien, mais Musa, quand elle utilise ses pouvoirs, elle est extrêmement puissante. Donc si tu es pareil, il faudrait que tu apprennes un peu à t'en servir. Ils ont raison tes parents quand ils disent ça. Bon, en attendant, moi je vais... Tu peux rester avec nous, t'inquiète pas. Hein. Non, je retourne à Solaria, je vais m'entraîner au sujet de mes pouvoirs. Ça vaut mieux pour toi, je pense. Oui. Merci d'être là pour moi, les filles. Je sais qu'on n'est pas encore amis, vraiment. Mais moi, j'ai déjà confiance en vous. Je ne sais pas si c'est même. Oui, c'est comme un fort lien magique qui nous unit toutes pour battre Valtor et en finir une bonne fois avec ces monstres dans la dimension magique. Et qu'après, cette amitié restera puissante. Exactement. Au début, je m'étais dit, si on formait un clan ou un club ou je ne sais quoi, pour dire de... Un club, mais quelle bonne idée! Au moins, on pourrait se retrouver à chaque fois quelque part pour aller... Pour organiser des plans et aller se battre. Oui, mais je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Stella, t'as vu, tu es intelligente. Tu te rappelles de mon nom? Mais bien sûr. Enchantée de te connaître en tout cas, Stella. Moi, c'est Flora. Enchantée, Flora. Je vous laisse, je dois m'occuper de mes pouvoirs. Bonne chance, Stella. Merci. Maintenant, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Oh, j'ai tellement peur. Attaque de noirceur. Tu es tellement nulle en fait. Je suis beaucoup plus forte que toi. Vas-y, continue à m'attaquer, ça ne me fait rien. Je peux les esquiver tes attaques. Tu me saoules, chère fée.
Ah, tant mieux, c'est ce que je cherche à faire depuis tout à l'heure. Et tu n'as rien trouvé de mot comme de mieux que tu me saoules? Malheureusement, non, mais je peux continuer à chercher. Tu me fais tellement rire et tu fais pitié. Moi, je fais pitié. Tu veux voir de quel bois je me chauffe? Allez, vas-y, essaye de me combattre pour voir. Je suis la plus puissante, ne l'oublie pas. Tu me fais vraiment pas peur. Moi, je vole grâce à mes ailes. Toi, tu ne voles pas. Parce que quand tu voles, tu ne peux pas rester longtemps en l'air. Arrête, je n'ai pas de point faible, contrairement à vous, chère fée. C'est quoi notre point faible? C'est votre amitié, votre gentillesse. Notre amitié, je n'ai pas d'amis. Mauvais point faible, désolé. Tu es prêt à être attaqué et à mourir? Ha ha ha, j'ai peur. Magie, pleine puissance! Tu disais quoi? Je ne peux pas voler longtemps. Prépare-toi au grand sort. Noirceur, sort. Plus que puissant. Ah! Je ne peux plus bouger. À l'aide! J'ai un cri, je ne sais pas d'où ça venait. Moi aussi, j'ai entendu. Et si c'était quelqu'un qui était en danger? J'ai cru reconnaître sa voix. Je crois que c'est la voix de Tecna. Celle que j'ai sauvée en prison la dernière fois. Waouh, tu as sauvé des personnes en prison? Tu es très forte alors. Plus que je ne pensais. Merci. Mais on doit aller la sauver. Je ne peux pas, je n'ai pas de pouvoir. Tu dois te concentrer un maximum, Flora. Tu as les pouvoirs dans ton cœur. Comment ça? Non, je n'ai pas de pouvoir. Si. Écoute-moi, Flora. C'est quoi ton élément favori? C'est la nature. Alors concentre-toi sur la nature. Elle va t'aider à trouver ton pouvoir. Je n'en sais rien. Ne t'inquiète pas. Tu le sauras un jour. Tu es sûre? Extrêmement sûre. Fais-moi confiance. D'accord?